C'est dans le cadre du plan de diplomatie coopérative de défense et de sécurité de l'Espagne que le BAM Furor de la marine espagnole est en escale au port de Libreville, au Gabon. Venu participer à la 13e édition d'Obangam Express, le navire espagnol a également contribué à la formation des élèves du Prytanée militaire de Libreville. Aujourd'hui, on a la visite d'une école militaire ici de Gabon. Et pour nous, c'est une très bonne expérience, une bonne opportunité pour échanger des expériences et contribuer à donner les connaissances qu'on a de la mer. Le Gabon et l'Espagne entretiennent des relations étroites dans le domaine de la lutte contre la piraterie maritime. C'est l'une des missions régulières menées par la marine espagnole dans le golfe de Guinée en vue de contribuer à la sécurité de la région et au renforcement des capacités des États riverains. L'Espagne et le Gabon sont non pas des pays amis, mais des pays alliés. Donc notre amitié a des effets pratiques. Je pense que cette école a eu l'opportunité aujourd'hui d'être témoin d'un travail en équipe, d'un travail solidaire et d'un travail sacrifié des forces armées espagnoles dans des eaux lointaines, mais dans des eaux où des menaces qui nous touchent directement méritent un travail conjoint. Le BAM P-46 Furor est un patrouilleur de dernière génération mis en service en 2019. Le bateau le plus moderne de la catégorie de bâtiment d'action maritime de la marine espagnole est très efficace dans la lutte contre la piraterie et doté des technologies les plus avancées. Ce navire a tous les atouts pour permettre aux apprenants, à l'instar de ceux du Prytanée militaire de Libreville, de mieux mettre en pratique les nombreuses notions techniques apprises en théorie.